Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyan's Reborn, dans une vidéo extraordinaire. Dans cette vidéo, une femme va révéler aux hommes qu'ils aiment la forme de la femme. Ce qui est caché derrière, que vous ignorez ou que vous refusez d'admettre. Regardez déjà à l'écran. Vous voyez ça? Jésus de Nazareth. En général, quand on voit une femme avec de telles courbes, de telles formes, on dit, oh, ça c'est la vraie femme. Ça c'est la femme hors du commun. Oh, elle est jolie. Oh, elle est vraiment bata. Et nous tous, on a envie d'aller les draguer. Regardez les formes, les seins, les fesses. Et c'est devenu la norme. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, les gens vont faire de la chirurgie esthétique. Ou comment vous l'appelez encore? Juste pour augmenter les fesses ou bien prendre des vitamines parce qu'elles aimeraient, ces femmes, elles aimeraient avoir des fesses hors du commun. Mais, il y a quelque chose que vous ignorez. Écoutons ce que cette femme du milieu-là a à nous dire. C'est parti. Faites attention, vous qui choisissez les femmes parce qu'elles ont des grosses fesses, elles ont des gros seins là. Faites attention, hein. Avec le temps, tout cela, ça va dissoudre. Ça va dissoudre, c'est moi qui... Faites attention, vous qui choisissez les femmes parce qu'elles ont des grosses fesses, elles ont des gros seins là. Faites attention, hein. Avec le temps, tout cela, ça va dissoudre. Ça va dissoudre, c'est moi qui... Vous avez entendu ça? Elle dit, faites attention, vous qui aimez les femmes, avec tout ça, les fesses, les seins, faites vraiment attention, parce que tout ça là, ça va disparaître, tout va disparaître. Le saviez-vous? Devrais-je vous poser la question? Le saviez-vous? Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça là? Mais la réalité est là. C'est que c'est vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Même la bonne chose est vanité. Oh Seigneur, pourquoi? Vous voyez ça? J'ai vu une femme agir avec des signes comme c'est pas possible. J'ai dit, elle a des gros signes comme ça. Et des signes bien arrêtés. Je me souviens, on m'a dit que, oh, que sans doute elle a fait la chirurgie esthétique. Il dit, mais attends, une femme âgée veut-elle encore, comment une femme âgée peut-elle chercher à avoir des seins, seins, en fait, de gros seins? C'est pourquoi, en fait, les gens refusent de vieillir. Les gens refusent de vieillir. Les gens refusent d'admettre que toutes ces choses vont finir par disparaître. Moi, j'ai connu une fille, elle avait des seins comme c'est pas possible, comme c'est pas croyable. Un peu comme cette jeune femme que vous voyez ici. Oui, vous voyez, j'ai vu la fille. Quand je passais là, je la voyais tout le temps avec des seins hors du commun. Je me disais, waouh, si j'ai eu ça. Ce serait bien, hein? Mais quelques temps plus tard, ça a fondu, c'est parti. Un moment donné, il dit, mais attends, le jour appuyé sur le c'est quoi? Pourquoi c'est parti? Et j'ai été choqué. Maintenant, qu'est-ce qui reste quand c'est parti? Qu'est-ce qui reste quand c'est parti?
C'est là que je dis vraiment aux femmes d'être très intelligentes et d'investir sur d'autres choses que les choses qui ne vont pas leur apporter grand-chose à long terme. Vous voyez? Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui peuvent aller faire la chirurgie esthétique parce qu'elles aimeraient faire les trucs de mode là. Genre se prendre en photo, vendre des photos sexy et tout ça, un peu comme les Kim Kardashian, vous voyez. Bon, ça c'est pour que cela rapporte de l'argent. Mais elles-mêmes, elles savent qu'au fur et à mesure que le temps va passer, on passe au laboratoire et passer au laboratoire, ça va vraiment avoir un impact sur leur corps. Et ce sont des choses qu'elles ne peuvent pas vous dire. Elles ne peuvent pas vous le dire parce qu'elles vendent du rêve. C'est par là qu'elles tirent l'essentiel de leur revenu. C'est là qu'elles gagnent son argent. Donc, tu vois, quand tu gagnes ton argent d'un truc là, c'est difficile pour toi maintenant de dire la vérité. Pour la plupart des personnes, hein. Eh bien, oui. Mais la réalité ici, la réalité c'est que les seins, seins et les fesses, fesses finissent par exploser. Boum! Bon, ça n'explose pas, hein? Mais vous allez voir. Vous allez voir. C'est là, des femmes qui ont eu plusieurs enfants, elles deviennent pas attirantes pour certains hommes. Oui. Même le gars, il ne veut plus sortir avec elle. Il ne veut plus la présenter à ses amis parce qu'il se dit que elle est plus comme avant. Elle a plus les seins bombés. Tout est devenu plat sur elle. Et il ne comprend plus rien. Maintenant, elle, en secret, elle peut dire que oh, je vais faire la chirurgie esthétique parce que si je ne le fais pas, mon homme va me laisser pour une autre femme. Il ne me présente plus déjà aux gens parce qu'il a horreur de moi maintenant. Même pour coucher avec moi, il a tous les problèmes de la planète. Je ne l'attire plus. Je ne lui plais plus. En tout cas, les réalités sont là. Tout le monde finira par vieillir. Vous devez vous mettre cela dans la tête. Une femme, elle est appelée à vieillir. Tout va vieillir. Vous serez choqués. Allez voir les acteurs de films de l'eau comme genre les Arnold Schwarzenegger, les gens qui ont fait Terminator, là, le film Terminator, là, l'acteur. Allez voir l'acteur principal. Là. Lui, il était en forme avant. Mais aujourd'hui, sa poitrine est devenue comme une femme qui a les seins tombés, quoi. Tout le monde le regarde et dit, ah, n'est-ce pas toi? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? La vieillesse reprend ses droits. Ça veut dire qu'à ce moment-là, à force de prendre une femme, il va falloir vraiment faire la part des choses. Mettez-vous dans la tête que sa belle forme, sa beauté, elle est, tout ça c'est vain. Sa beauté est vaine. Elle finira par vieillir, sa beauté va disparaître. D'autres filles vont venir pour être plus belles qu'elle. Du coup, il va falloir miser sur une chose qui ne peut pas vieillir facilement. Et quelle est cette chose? C'est l'état du cœur. Si vous avez une femme qui a un cœur noir, un cœur très méchant, et en plus de ça, ses fesses et ses seins disparaissent, vous allez vous retrouver à l'enfer directement sur la terre ici. Parce que vous avez dit, mais que se passe-t-il dans le pays? C'est quoi? Quel choix pour mériter ça? Quel malheur! Ah. Mais si vous avez misé, dès le commencement, sur une femme qui a un bon cœur, une femme vraiment qui est très gentille et qui guérit votre esprit par sa simple bonté du cœur, vraiment, vous n'allez pas regretter. Je vous assure,
vous n'allez pas regretter du tout. Parce qu'elle va transmettre sa beauté du cœur, sa bonne éducation à vos enfants. Quand vous-même, vous allez voir vos enfants, vous allez dire vraiment, elle est en train de prendre la vieillesse, mais elle a su donner ce qu'elle a aux enfants. Elle a su transmettre tout ça aux enfants. Et ça va vous rendre heureux. Vous serez obligé d'aimer votre femme. Cela va dire, Marie, aimez vos femmes. Marie, les maris là, aimez vos femmes. L'amour qu'elle a, chic chic au départ là, ça finit par se calmer. Et oui, ça finit par se calmer après. Ha, vous allez comprendre. Et c'est en ce moment-là que vous allez voir que les gens vous ont menti. Quand ils vous disaient d'aimer les fesses et les seins, vraiment, ils vous ont menti. La chose que vous devez aimer chez une femme, c'est son caractère. Parce que ça, c'est une chose spirituelle. On ne peut pas toucher ça, mais ça soigne votre cœur, ça soigne votre âme. Et oui. Et oui. Moi, j'ai vu une femme, elle était belle comme ça. Elle était tellement belle que mon cœur s'est attaché à elle. Parce qu'elle est vraiment belle. Elle était vraiment belle. Mais un jour, son comportement a changé. De la manière, elle s'est mise à m'insulter là. J'ai dit ça. Donc, une jolie femme aussi peut être mauvaise comme ça. Peut avoir une mauvaise bouche comme ça. Comment elle peut être méchante comme ça? On peut faire ça. Ce jour-là, j'ai arrêté de la voir. Même quand je vois sa beauté, je dis, c'est bien, c'est pas la peine. Et j'ai commencé à vraiment à comprendre que il ne faut jamais se fier aux apparences. Même le diable est beau. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, hein, et je vous laisse écouter encore ce que cette femme disait. C'est parti. Attention, vous qui choisissez les femmes parce qu'elles ont des grosses fesses, elles ont des gros seins là. Mais attention, hein. Avec le temps, tout cela, ça va dissoudre. Ça va dissoudre, c'est moi qui. Faites attention, vous qui choisissez les femmes parce qu'elles ont des grosses fesses, elles ont des gros seins là. Mais attention, hein. Avec le temps, tout cela, ça va dissoudre. Ça va dissoudre, c'est moi qui.